Madame Ressiguier. Je vous remercie, Madame la Présidente. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3. En effet, ce système n'a rien d'universel. Ça fait très longtemps maintenant qu'on discute de ça. Vous resterez certainement persuadé que c'en est un. Nous pensons que non, avec le Conseil d'État. Une multitude de régimes vont en réalité exister. Les inégalités vont s'accroître. Faites dans la précipitation, votre réforme va faire basculer notre système actuel, qui est basé sur la solidarité, vers le chacun pour soi et le marche ou crève. Toujours vers le moins de 10 ans. Mais les Français ne sont pas dupes. Pour répondre à notre collègue, qui tout à l'heure, peut-être un peu emporté par son élan, a traité l'opposition de fossoyeurs, je tiens à préciser quand même que pour des fossoyeurs, nous sommes pour la retraite à 60 ans, le partage du temps de travail et le partage des richesses, et soyons complètement dingues, l'augmentation des bas salaires. Vous nous proposez de travailler jusqu'à la maladie ou jusqu'à la mort. Qui sont les fossoyeurs, chers collègues? Je vous remercie. Bien, merci.